Connaissez-vous rapidement connectez vous Afrique de la liberté Connaissez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je vous salue donc depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se déroule très bien. En cette soirée donc de dimanche 21 janvier 2024, Partagez-moi massivement cette vidéo. Invitez donc vos amis. Taguez vos amis. Pompez donc massivement les pouces bleus. Voilà. Mettez des likes. Likez la vidéo. Protégez la vidéo avec des likes. C'est très important. Alors, Africa de Liberté, si c'est donc la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine il faut tout simplement vous abonner. Voilà. Abonnez-vous tout simplement. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe Voilà, on va rapidement, parce que la dernière fois, on a essayé de parler de la mort subite, la mort soudaine du, du capitaine euh, Niamey -Ni Kouakou Armand, le capitaine qui a été fiolé Afrique de la liberté, chers amis, ce soir... Très très donc rapidement on va vous expliquer certaines choses encore concernant la Côte d'Ivoire. Qui a tué le capitaine Niamni Kwaku Armand? Qui est à la base de la mort du capitaine Armand? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Pourquoi ils ont fait ça? On va vous expliquer terre à terre et vous allez comprendre. En Côte d'Ivoire, on vous dit tout va mal. En Côte d'Ivoire, on vous dit ça ne va pas. En Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous-même les Ivoiriens qui êtes là-bas actuellement, là, vous les savez très bien. Vous murmurez, vous grognez. En Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara vous fait vivre l'enfer. À un moment donné, quand on est oppressé, il faut comme ça faire face à son oppresseur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut réagir face à cette forfaiture qui est en train. Hein, qui a, qui a d'ailleurs trop perduré en Côte d'Ivoire. Il faut réagir face à Alassandra Manuatara. Sinon, ça va continuer ainsi. Ça sera toujours ainsi. Parce que le chien, vous savez, hein, ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et Alassandra Manuatara ne changera pas tant qu'on ne le fera pas changer. C'est nous qui devons. Envoyé à la Sandra ouattara a changé. Sinon, Ouattara Ne changera pas. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Chaque jour, on perd un proche. Chaque jour, un Ivoirien meurt. Chaque jour, ainsi de suite. Et ça continue. Et ça passe inaperçu Ça passe inaperçu Il faut que ça change. Qui a tué le capitaine Armand Écoutons cette vidéo attentivement. Mettez le pouce bleu. Et tout à l'heure, on va encore essayer d'intervenir par rapport à la Côte d'Ivoire qui va mal. Les Ivoiriens, nous devons réagir. Nous devons, comme ça, tous, sans exception, nous tous, nous devons prendre, comme ça, nos responsabilités. Écoutons la vidéo. Il y a tout à l'heure. J'ai mal, j'ai mal quand je vois ainsi mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est très mal. Il faut partager, partager comme ça. Je commence et puis on va avancer plus, plus vite. Je ne serai pas loin dans cette vidéo parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je vais juste relever, c'est un fait. Il s'agit de quoi Il s'agit de la mort d'un officier des FACI. Fassi, ça veut dire forces armées de Côte d'Ivoire. FACI, voilà. Alors, dans, dans notre armée en Côte d'Ivoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des gens en ont parlé. Menougou. Daniel, Bigop, à toi. Soyez salués. Voilà, Laissez. je vais arrêter les salutations pour entrer dans le vif de mon sujet. Je vous souhaite de partager cette vidéo fait que les uns et les autres puissent comprendre notre analyse des faits. Parce qu'il s'agit d'analyser les faits, parce que nous n'étions pas là. Et donner aussi hein, des, des orientations par rapport à la richesse de la vérité. Daniel, il dit, pas toi. Nous allons donner des orientations pour la richesse de la vérité sur la mort de cet officier-là. Voilà. Alors, l'armée de Côte d'Ivoire vient de perdre un officier, un capitaine. Il s'appelle Niamia Kwaku Armand. Le capitaine Niamia Kwaku Armand est Enfermé depuis un moment. Voilà, il est enfermé depuis un moment. Il y a eu plusieurs versions. Il y a une version même de certains, euh, comment on appelle, de certaines personnes proches de Soro Kibaforidium qui ont donné hein, des choses, qui ont dit des choses sur leur manière de comprendre ce qui s'est passé avec la mort. Il a été arrêté le jeudi. Il a été arrêté le jeudi. Alors, on va. On va, je vais vous faire lecture de ce que dit une autre version. Parce que les proches de Soro Kibafori Guillaume disent que cet officier-là, cet officier-là a été arrêté et a été torturé. Et il est mort des suites des tortures qu'il a reçues en prison. Vous comprenez? Et donc, les responsables de l'armée de Côte d'Ivoire sont montés au créneau pour justifier, pour expliquer. Jason Cross, big up à toi, Denise Dako, big up à toi. Soyez tous salués, la joie est boni. Soyez tous salués. Voilà. Donc je reviens pour vous dire, je vais vous faire lecture de ce que dit l'armée de Côte d'Ivoire. On dit de quoi est décédé le capitaine de Fassi, Niamie Kouakou Armand. Et où est-il réellement mort Où est-il réellement mort Mettez des cœurs et partagez sous le mandat des Big up à toi, bonne arrivée mon petit. Sois salué. Voilà. Les éléments sont là. Le capitaine, on dit, il est mort où Et de quoi il est mort La question taraude les esprits depuis ce samedi 20 janvier 2024. Parce que le capitaine serait mort d'AVC. On dit, il a eu un malaise. Et ils ont diagnostiqué un AVC. Donc, l'AVC, c'est l'accident, accident. accident. Euh, comment on appelle ça même? Vasculo. Vasculaire cérébral. Cérébral. Pardon. Oui, eh, français. Cérébral. cérébral Voilà. Donc AVC. Accident. Vacillaire. cérébral ou vacillaire cérébral. En tout cas, ceux qui, sont dans, ceux qui sont médecins savent de quoi il s'agit. Va te faire foutre, Mousse Bambis. Va te faire foutre. RDR. C'est ta mère qui a fait ça. Voilà, imbécile, chien. Alors, on va continuer. Il faut écouter. Donc, ils disent que le capitaine est décédé parce qu'il a eu un malaise. C'est trop facile, les amis. C'est trop facile. Il a été arrêté pourquoi Et puis, le malaise, là, il a eu ça comment Et puis, comment il est, il est décédé On va en parler. Donc, il faut suivre. Voilà ce qu'ils disent. Alors, l'information de la mort du capitaine Niamien Kwaku Armand est relayée sur les réseaux sociaux ce samedi 20 janvier. Selon des cyberactivistes, qui en parlent, l'officier des forces armées de Côte d'Ivoire, Fassi, aurait passé la vie à trépas euh, de vie, pardon, de vie à trépas, à la suite de tortures subies en prison. Dans les faits, il n'en est rien, rassure-t-on rassure du côté de l'armée. Donc, rassure-t-on du côté de l'armée, on dit il n'en est rien. Selon une source médicale jointe par cette info, les circonstances de ce décès sont différentes. Il faut partager les amis. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Le capitaine en question a été enfermé dans les locaux disciplinaires par son chef de corps en hier C'est-à-dire le jeudi 18 janvier 2024. Donc, le jeudi 18 janvier 2024, le chef de corps du capitaine Niamien Kwaku l'a enfermé dans les locaux disciplinaires, dans la cellule des, des, voilà, pour l'indiscipline. Pour Il l'a enfermé là-bas. Voilà, pour cause, hein. Voilà. Donc le capitaine en question a été enfermé dans les locaux disciplinaires par son chef de corps avant-hier, c'est-à-dire le jeudi 18 janvier 2024. Il a été enfermé pour ce qu'on appelle infraction aux consignes. Donc pour infraction aux consignes, il a été enfermé. Voilà. Quand on te donne des consignes dans l'armée, on te dit par exemple, tu vas tu ta fait de route, tu dois aller à tel endroit pour récupérer telle chose ou faire ta garde là-bas et que tu respectes pas ça, ce jour-là, tu viens pas au travail ou bien tu vas te promener ou bien tu quittes ton poste pour aller dans autre chose. On appelle ça manque de respect du consigne. Donc, on, te, on, on peut te mettre en prison pour ça. Voilà. Donc, il a été enfermé pour ça. Il a été enfermé pour infraction aux consignes. Donc, quelqu'un qui est... Bon, je vais continuer avant de rentrer dans mon commentaire. Il était porteur d'une information qu'il devait transmettre hiérarchiquement. Donc le capitaine avait une information qu'il devait transmettre hiérarchiquement. Il devait donner, il devait donner cette information à son chef hiérarchique. De quelle information il s'agit C'était quelle information qui était tellement importante aux yeux de son chef direct que on enfin, fera le jeter en prison pour ça. Il était porteur d'une information qu'il devrait, qui devait transmettre hiérarchiquement, mais cela n'a pas été fait ainsi et l'information est allée plus haut, au point qu'on en a touché mot à son supérieur. Voilà. Donc l'information, au lieu d'aller chez son supérieur hiérarchique direct, c'est aller chez le plus grand chef. Donc l'information est arrivée chez le plus grand chef et donc son chef direct n'est pas content de ça. Voilà. Ça devait passer par lui. Et puis c'est parti directement. Il n'est pas content de ça. Et donc, voilà. Est allé plus haut au point qu'on en a touché mot à son supérieur. Pour non-respect de la voie hiérarchique, il a été enfermé, raconte notre source. Donc c'est le médecin militaire qui explique tout ça. Selon elle, selon la source, dans la matinée du vendredi, le défunt capitaine a eu un malaise. Donc le vendredi 19, il a eu un, mal, un malaise. Entre le lieu où on l'a enfermé, qui est la garnison et l'infirmerie, il y a environ 200 mètres. C'est sur ce chemin qu'il s'est affaissé. C'est sur le chemin de, de ça qu'il s'est affaissé. Des infirmiers l'ont pris pour l'envoyer à l'infirmerie. Le médecin qui l'a vu a senti qu'il présentait un cas qui dépassait le cadre d'une infirmerie. Il a demandé qu'on le transfère à Ashma, à l'Ashma, l'hôpital militaire d'Abidjan, qui est distant de son lieu de garnison de 11 km. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas là. Notre infirmerie. Et au camp C'est dans l'ambulance sur le chemin qu'il est décédé poursuit la, Suisse, la source. Donc, la source continue pour dire, c'est quand on l'a mis dans l'ambulance pour l'amener au camp Galieni, et, comme on appelle, à c'est sur la route là qu'il est décédé. Le décès, ajoute-t-elle, ajoute la source, a été constaté aux urgences de l'Ashma. Sa famille a été informée immédiatement et ce sont ses parents qui ont demandé qu'on on achemine le corps à la morgue. Dit la source médicale. Non sans préciser que le corps ne porte aucun stigmate ou aucune perforation due à des explosifs. Parce qu'une version qui vient battre en brèche, c'est la version qui vient battre en brèche, celle révélant que le capitaine Niamien Kwaku Armand serait mort par balle. Donc voilà ce que dit hein, la source. Voilà ce que les informations disent. Les informations nous font, font état, ou du moins les informations font état du fait que le, le capitaine. Serait mort, le capitaine serait mort, comme on appelle, en coup de route. Il a eu le malaise, on l'a mis, mis dans l'ambulance pour l'amener à Lachema, et sur la route, il est mort. Cher ami, voici ce que vient de se passer. Le capitaine Yamien Kwaku Armand, qu'on a arrêté pour cause d'indiscipline, parce que pour eux, il n'a pas suivi les consignes comme il faut. Il a manqué, il a, il n'a pas respecté les consignes. Pour cause des manquements aux consignes, on le met en prison. On l'enferme, le, on hein, dans une cellule. Et de là, il pique, il pique une crise. Il a un malaise. Et ce malaise le conduit à la mort. Et on parle d'AVC. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps? Quelle était l'information? Parce que, pour que même on parle de torture, c'est qu'il y a eu une information qui devait être une information capitale. Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on arrête ce capitaine? Un officier. Qu'on arrête, qu'on jette en, en, cellule. Et qui a un malaise. Et ce malaise de lui laisse même pas le temps d'arriver à l'hôpital. C'est grave. C'est grave. Vous ne pouvez pas nous distraire. Même celui qui a parlé, ce, ce, comment on appelle? Ce médecin qui a parlé là, qui donne les raisons à deux balles là. Il est en train de rigoler ou quoi? Il est en train de rigoler. Quelqu'un qui avait toutes ses facultés, qui était en bonne santé, qui était encore énergiquement en bonne santé, qui avait toute son énergie, qui était physiquement au, au point, qui n'avait aucune maladie signalée avant son arrestation, avant de le jeter en prison, à moins de 24 heures, à moins de 48 heures, pardon, il perd la vie rapidement comme ça, comme s'il était malade il y a longtemps, comme s'il souffrait il y a longtemps, comme si vraiment, hein, il était, c'est-à-dire qu'il était au bord de la mort quand on l'a mené dans cette cellule-là. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. On nous cache une certaine vérité. Quelle était l'information que détenait ce capitaine Et à quel officier supérieur il a donné l'information Et puis son, son responsable hiérarchique direct s'est plaint et puis il s'en va le jeter en prison. C'était quoi l'information Parce que ce que vous devez savoir, c'est que depuis un moment, ils sont très frileux. Ils sont très frileux. Et quand je dis, ils sont très furieux, je parle du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Je parle d'Alassane Draman Ouattara et ses copains qui sont au pouvoir. Ils ont la peur au ventre parce qu'ils soupçonnent tout le monde comme étant des futurs ou des probables poussistes. Et encore, le mec, il est capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête quand ils ont arrêté ce, les amis, mettez des cœurs, j'ai dit de continuer à partager et mettez des cœurs, poussez à ce que cette vidéo-là aille dans leur youkuli là-bas parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on sait leur super chérie, on sait de quoi ils sont capables, on sait que la fiole est passée par là. Oui, parce que le capitaine n'est pas parti malade dans cette cellule-là. Et puis pour une cause, pour une cause disciplinaire, on ne, on ne sort pas là-bas avec les deux pieds devant dans un cercueil. Mais non, mais non, mais non, mais non, je peux pas accepter ça, je peux pas croire à ça. Je ne suis pas d'accord qu'on accepte ça facilement. Et puis ils disent oui, la famille a été rapidement contactée, immédiatement contactée. Et c'est la famille même qui a dit d'amener le corps à la morgue. Mais et puis quoi Et puis quoi Et puis on a cassé terre. Il ne faut plus qu'on va parler, quoi. Parce que la famille a donné l'ordre d'amener le corps à la morgue rapidement. Donc il ne faut plus qu'on dise quelque chose. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui. Nous ne serons pas d'accord demain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le capitaine Miamien quelle information détenait ce capitaine-là? Et pourquoi, même si, même s'il si n'est pas passé par l'ordre hiérarchique, est-ce que c'est la première fois que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est la première fois qu'un un, un élément ou un subordonné rencontre directement à, à, au plus grand chef que de compte à son chef direct? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? C'était quoi cette information que le grand chef ne devait pas avoir et que c'était le chef immédiat qui devait avoir, le chef de corps qui devait avoir ça? C'était quoi au juste cette information? Il y, a, il y a un nom dit dans cette affaire et ça nous fait penser à plusieurs autres affaires comme ça, de torture, de militaires arrêtés. Ça nous fait penser à des comportements que certains ont. Et après, on apprend que ces gens-là, ces gens-là sont tombés. Ils passent des vies à trépas. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez peur de quoi? Vous craignez quoi? Pourquoi vous avez l'habitude de torturer les gens et puis ils disent oui, il n'y a aucune trace de torture, il n'y a pas de balles. Bon, ok, il n'est pas mort des balles, ça c'est sûr. Parce que vous, vous n'utilisez plus les balles. Tellement vous êtes dans. vous êtes avares dans tout, vous n'utilisez plus balles, un balle, c'est cher pour vous. Vous préférez économiser ça pour autre chose. Maintenant là, c'est la fiole, que vous utilisez. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ils n'ont qu'à faire des autopsies. Et ça, c'est la proposition que nous faisons à la famille. Faites autopsier le corps du capitaine Niamien Kwaku Armand. Faites autopsier et pas. Pas par n'importe quel euh, médecin euh, légiste. Pas par n'importe quel médecin légiste. Il faut choisir un médecin international. Il faut choisir un médecin international. Louer les services d'un médecin international Tu vas venir constater les faits, vérifier. Je n'en sais rien du tout, Dali euh, oui, Dali Nago. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il était proche de Tiam. Moi, je ne vous parle pas de qui il est proche, qui soit proche de Soro, qui soit proche de Tiam, qui soit proche de Draman Ouattara ou de qui que ce soit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de sa proximité avec les gens. Je parle. De, de l'information qu'il avait. C'est toi, les analyses. Nous nous posons des questions. Quelle est cette information qui l'a conduit à la mort C'est de ça que nous parlons. Et moi, comme je sais que ce gouvernement est très frileux, ce sont des gens qui ont peur de leur ombre. Même leur propre ombre, quand ça passe à côté. Quand il passe quelque part et puis l'homme l'a pas sur le mur, il tombe. Il panique, il tombe. Ils ont peur de leur propre ombre. Donc, qu quelle était cette information Mais cette information a été livrée aux supérieurs. Bon, toi, tu es le chef. Ton subordonné a une information, mais toi, le chef, tu as un grand chef. Ton subordonné prend l'information, il donne ça à ton supérieur, toi, ton supérieur. Il te dépasse, il donne à ton supérieur. À quoi sert d'arrêter ton subordonné là et de le jeter en prison Si cette information n'était que juste une information euh, qui n'était pas vraiment d'ordre capital. Ou bien, euh, voilà. C'est parce que cette information ne devait pas arriver dans les oreilles de ton supérieur. Peut-être que cette information te concerne toi. Peut-être que toi, tu étais dans une logique de commettre un acte répréhensible. C'est pour ça que tu t'empresses pour faire arrêter ton subordonné. Peut-être que l'information que ton subordonné, ton subordonné avait là, il sait qu'il ne doit pas te dire ça à toi parce que tu es impliqué dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez le truc? Est-ce que vous comprenez? Pour que tu sois énervé et jeter ton, ton subordonné en prison, Jusqu'à ce qu'il sorte de là-bas avec la mort, c'est-à-dire qu'il meurt pour sortir des prisons, ça veut dire que l'information qui était impliquée à 100%. Les amis, est-ce qu'on se comprend Vous êtes d'accord avec moi ou pas Mettez des cœurs. Parce on est raté. on est en plein dans l'analyse de ce qui est arrivé au capitaine Kwaku. Donc, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Est-ce que l'information qu'avait le capitaine Kwaku, D'ailleurs, il faut retrouver le nom de son supérieur hiérarchique. Celui qui, après, t'as dit à qui on devait donner l'information. Et puis on l'a pris Parce que là, c'est que l'armée dit là, ils disent pas le nom de, de son supérieur là. Hein, son supérieur hiérarchique. Celui à qui il devait donner l'information. Et puis il a sauté pour aller donner au plus grand là. Lui, on dit pas son nom. Hein, mais lui, c'est qui Il faut savoir qui c'est d'abord. Maintenant, si on sait qui c'est, pourquoi il est allé jusqu'à jeter l'autre en prison Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il qu qu craignait Qu'est-ce qu'il craignait C'était quoi l'information Est-ce que l'information a atteint son but Est-ce que l'information devait forcément être euh, analysée par lui avant d'arriver chez le supérieur, chez lui-même son supérieur Plein de questions qu'on se pose, les amis. Arrêtez de fioler les enfants des gens. Oui, arrêtez de fioler les enfants. Arrêtez de tuer les enfants des gens. C'est un père de famille vous venez de faire partie comme ça dans là. C'est un père de famille que vous venez d'arracher à l'affection de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de ses frères et sœurs, de sa mère, si, si, sa mère est encore vivante, ou son père. C'est un père de famille que vous venez, à qui vous venez d'arracher le souffle de vie que Dieu lui a donné. C'est ce que nous dénonçons. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il était question? On lui reprochait quoi pour que il meure depuis sa cellule de prison? On lui reprochait quoi? Voici les questions et les questionnements que nous nous posons. C'est pour cela que je ne serai pas long comme il y a dit. Il y a fait 23 minutes. On va continuer à réfléchir à ça ensemble et puis trouver les réponses. Ou du moins attendons les réponses de l'État de Côte d'Ivoire, de l'armée de Côte d'Ivoire. Attendons des réponses. Voici tout ce que je voulais vous dire. Merci de partager cette vidéo. Nous sommes ensemble. Mais il y a trop de choses qui se passent dans notre pays. Pendant que nous sommes en pleine canne. Voici un décès, décès d'un officier qui ne branle personne, sauf les, les activistes politiques qui parlent sur les, les, les réseaux sociaux. Mais les autres, ils n'en parlent pas. Hein. Ils nous parlent d'un malaise. Vous nous prenez pour des cons ou quoi De quel malaise vous parlez Quel malaise Bon, allez, ciao, ciao les amis, on est ensemble. Alors, Afrique de la liberté, chers amis, chers frères du pan chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, chers peuple de Côte d'Ivoire, c'était l'intervention de votre serviteur. La Mirakba fait, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette euh, soirée de dimanche 21 janvier 2024. Partagez-moi massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas de, de vous abonner si c'est la première fois que vous nous prenez en marche comme ça sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne Pan-Africain, la chaîne de résistance. Abonnez-vous tout simplement, mais surtout aussi n'oubliez pas d'aller aussi vous abonner sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok. Et après tout cela, il faut activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020. Alors portez-vous bien et que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Et merci comme ça à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce direct. On est ensemble et on sera toujours ensemble comme ça pour d'autres directs. Bonsoir chez vous.